Une pensée, un jour. Voici une prière que l'on dit le premier des quatre Shabbats spéciaux qui précèdent Pessah. Et là-dedans, un passage, par ton amour pour ton peuple, tu as ordonné qu'il fasse don de Shekalim pour le pardon, un don égal pour le riche comme pour le pauvre. La donation initiale pour le sanctuaire dans le désert était commémorée par un don annuel d'un demi-shekel destiné à financer les offrandes quotidiennes dans le temple. Ces donations sont appelées l'argent du pardon. La caractéristique stupéfiante de ce don était que tous les juifs y contribuaient à part égale, le plus riche de tous ne donnait pas plus que le plus démuni. La richesse n'est pas distribuée de manière équitable. Cependant, la valeur d'une personne ne se mesure pas à l'aune de ses possessions, à la grandeur de ses possessions. Le véritable pardon ne peut être atteint que lorsque les gens se respectent mutuellement pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils possèdent. Le pardon dépend du fait d'admettre tous les autres comme des égaux. Charles Hugassy, à Montréal. Thank you.